Salut tout le monde, c'est Pity et bienvenue dans ce troisième épisode sur The Guild 2. Alors, tiens, j'ai fait une sauvegarde, je ne sais pas comment, c'est pas grave. Dans le dernier épisode, j'avais réussi à épouser à Catherine, donc je sais plus son nom, c'était quoi. Maintenant c'est Catherine Pouilleux, elle est enceinte actuellement. Les astuces, on s'en fout, la diplomatie aussi. Moi, je suis en train de dormir. Parce que j'ai bien bossé quand même dans l'épisode précédent. Et j'ai vu la XP. D'ailleurs, je vais l'attribuer tout de suite. Dans les arts martiaux, je vais en mettre 2. Et un petit peu plus d'agilité, comme ça tout est à 4. Et je passe en plus un niveau. Il n'y a pas un niveau de plus normalement là-dedans? Ah bah non, autant pour moi. Il y a la musique à fond. Alors, niveau 4, parent modèle, vous êtes numéro 1, père naturellement absolument parfait, vous prenez tout le temps d'apprendre à vos enfants tout ce qu'ils auront besoin dans la vie, tous vos enfants reçoivent un bonus d'efférence dès qu'ils atteignent 12 ans. Ouais. Armandy. Vos chances de devenir père ou mère augmentent quand c'est même le rang, blablabla. Je m'en bats les couilles. Vous avez maintenant une fille. Oh bah j'ai une fille, tiens, ça fait chier. Alice, non. On va l'appeler comment? Aujourd'hui Catherine Pouilleux a mis... Putain, en plus j'ai une limite de temps pour l'appeler. On va l'appeler Lulu, tiens, c'est marrant ça. Lulu Pouilleux. Célébrité locale, réunion politique, vous avez une opinion sur tout et tout le monde et vous avez le dernier mot. Ça pourrait être pas mal vu que je fais de la politique. Dans le dernier épisode, j'avais réussi à avoir un titre politique. Hein. Savoir, constitution miraculeuse. Une protection forcée vient don de don à la vente, croissance des cheveux. C'est quoi ces conneries? Vos chances d'attirer la pitié des gardes et d'être libéré à chaque soir à minuit augmentent de 5. What the fuck? Sécurité avant tout. Je vais faire célébrité locale pour le moment. Comme ça, c'est pas mal. Et elle est où? Oh la voilà! Pour la famille! Pour la famille! Alors, je suis monté d'un niveau, c'est génial. Protection forcée. Et. Et maintenant? Il y a un problème? Je veux un bonbon! Je veux un bonbon! Bon, toi? Entraînement. Un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant, c'est ça. Et quelle heure? Bon bah lui il dort, c'est très bien. En attendant. Ah oui, toi je t'avais dit de rentrer. Bah toi aussi tu vas rentrer. Très bien. Tu vas te reposer un petit coup mon gars. C'est quoi cette barre là? D'ailleurs, est-ce que je peux voir leur XP à ces gens-là? J'ai pas l'impression. Niveau 1 toujours. Et où toi, est la marchandise? Niveau 1. Qu'est-ce que. À quoi correspond cette barre? Bref, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à vous montrer, donc je fais une ellipse jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'intéressant. À tout de suite. Ah ouais, alors j'ai retrouvé ce que je cherchais dans le dernier épisode, c'est le livre des preuves, parce que cette pute, elle m'avait attaqué. Et donc j'ai 5% de crédibilité, pardon. Force de la preuve 7, c'est énorme, et validité 5, donc je suis content. Et je pense que je vais les faire chanter. Lui est 100%, 100%. Ouais, putain... Rapine. Ah ouais, mais merde. Attaque de charrette, putain, ouais, ils m'ont vu. Rapine, maraude. Elle, faut que je la démonte. Je vais aller faire ça tout de suite, donc tu arrêtes de dormir et tu vas... Aller du conseil pour aller dénoncer ces connards. Toi, t'es toujours niveau 1. Ça n'augmente pas vraiment. Allez, cours. Quoi d'autre? Il y a l'autre connard qui a postulé pour mon siège. Ouais, ils sont déjà 3. Jaco l'avenue. Bon, ça c'est moi. Hein. Et Astrid Taillefer. Si je pourrais être inquisiteur, ça pourrait être pas mal. Parce qu'elle, elle aime même pas. Donc, je sais pas si je... Je crois qu'il fallait plutôt que je sois geôlier. Pour prendre son... Je crois que je peux être que sénéchal. On va voir ça tout de suite dans tous les cas. Pour l'honneur! Je suis déjà arrivé en plus, c'est génial. Alors. Postuler un siège. Ah si je peux, alors ça c'est génial. Un jeu d'enfant. Ça c'est génial.
Comme ça, si je peux virer l'autre connasse, ça me ferait encore plus de... Il y aura plus de gens qui m'aiment, et puis ça me fera de l'XP, les sous, et de titres et compagnie. Je voudrais me présenter à une charge. Merci d'en prendre note pour la prochaine réunion du conseil. Merci de prendre note de ma charge. Ça fait trop plaisir. Bref. Quoi d'autre? Hein? Attends, puis-je aider? Qu'est-ce qu'il fait là? Participe à un procès. Oh merde, il y a un procès. Oh merde, c'est con. Bon, c'est bon, ils ont pris en... Putain, ils l'ont pas pris en... On va attendre que ça se termine. Oh, mais c'est la connasse en plus. Accusée, bah oui, mais c'est elle. L'accusée est une maraudeuse. C'est elle en plus, attendez. Mais ouais. Éliminez vos concurrents. Ah mais, est-ce qu'on... Dommage qu'ils montrent pas qui sont mes concurrents. Bref, mais ouais, c'est cette connasse. Alors... J'aimerais bien voir... Je peux pas gagner beaucoup d'XP, c'est pas grave. Ennemis. Ils sont 10. Ça, c'est mes concurrents, j'imagine, quand même. C'est ceux qui ont les blasons, ou je sais pas. C'est trop bizarre, ça. Ouais, j'imagine que c'est ceux qui ont les blasons, mes concurrents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et je crois qu'il y en a 2 ici, donc 8, 9. Non, lui, il est déjà dans ce blason-là, donc... Ouais, c'est le même, en même temps, c'est Jaco l'avenue. Très bien. Ok, je sais qui sont mes concurrents, donc si on peut leur péter la gueule... Ça serait pas mal, bon. C'est l'heure du boulot. Alors, si on peut refaire des protections forces, ça si vous le dites. Pour 211 étoiles. Pareil, parce que ça rapporte quand même, c'est pas mal. Entre deux voleurs, le pickpocket. 803. Oh, je pense pas qu'ils vont accepter vu son niveau de merde. Je ne pense pas, toi aussi, tu pourrais bosser, ça serait cool. Dévaliser, menacer, soudoyer, extorsion achevée. Faire d'autres, aller se coucher, voir les enfants. Vous recevez de l'argent en échange d'une protection. C'est cool. Il y en a un qui bosse. Toi, si tu pourrais dévaliser quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais dévaliser? Je cherche des amis. Je peux pas dévaliser ça, non. T'es un peu zéro quand même. Menacé, si vous voyez. Vous recevez de l'argent en échange d'une protection. Sérieux, ils ont accepté pour 800? C'est génial, ça. C'est quoi, ça, extorsion? Vous avez réuni des preuves de crimes perpétrés par un de vos rivaux et vous préférez vous attacher à son soutien plutôt que le traîner devant les tribunaux. Alors, utiliser l'extorsion, il sera dévoué. Ah, ça pourrait être pas mal. Dévaliser un personnage J à vos pieds sans défense, mais Herbiel ne sera pas sûr. Ok. Et achevé. Bon, c'est l'assassinat. Bon, on va éviter pour le moment. Bref. Ouh là là, il y en a qui foutent le feu là-haut. Non, ils combattent. C'est des petites icônes de sang. Je croyais que c'était des flammes. Ouais, foutez-vous sur la gueule. What the fuck, ils prennent les cadavres et tout, quoi. C'est qui ces gens-là? C'est quoi ce blason? Enlever quelqu'un. C'est des grands malades. Bon, bref. Puis-je aider? Est-ce que c'est fini? Je suis armé! Ouais, c'est fini. Bon. Je postule déjà ici, moi. Allez. C'est bon? C'est très bien. Ensuite, j'ai pas fini. J'en ai pas fini. J'accuse. Je peux plus accuser l'autre. Bon. Ceux qui ont les blasons, faut les accuser. 8. 7. Cette connasse. J'ai la preuve des crimes commis par cette personne. Cette connasse. Je réclame une audience. J'exige une audience.
La cour citera à comparaître la personne en question. Je vous prie d'être à l'heure à l'audience. Bah ouais, j'y serai, hein. Alors ah, t'inquiète pas, hein. Sinon il y a la peine vous de mort. Vous avez des charges contre quelqu'un. Ouais. Ça me dégoûte, moi. Qui d'autre? C'est qui que j'ai accusé? C'est Manon, c'est ça? Bah Chantal, tiens, la connasse, là. Ah, ça n'a pas marché. Eh bien, soit une tentative de chantage a échoué. A échoué? Ah, c'est de preuve. Force de la preuve 7, ça ne suffit pas apparemment. 5. 5. Voilà. On va laisser tomber ça. 15h, de toute façon ça va pas. Ah merde, faudrait peut-être que je me prépare moi pour mon alliance. La mer. Elle est où la mer? C'est elle. Alors. Il paraîtrait que certaines charges vont changer de main aujourd'hui. Vous étiez au courant? On va le soudoyer. La victoire est à nous! La victoire est à nous. Et puis notre ami là, on va le soudoyer aussi. C'est si vrai. Vas-y, en mode loubar, discret devant une personne qui te traverse le corps. Comme c'est gentil de votre part. What the heck? C'est horrible! Oh! Quelqu'un accepte votre pot de vin. Putain, c'est un Pokémon quoi. C'était dégueulasse. Je m'excuse, hein, c'était pas prévu. J'ai hâte de voir l'ordre du jeu. Parce qu'on on peut la couper. Un jeu d'enfant. C'est si vrai. Allez. C'est quand tu veux, hein, Peter. Avez-vous entendu? Quelqu'un a postulé à une fonction publique. Oh, elle est en train de se faire soudoyer. Remercie de tout cœur. Je veux la complimenter, donc tu te calmes deux secondes. Quelqu'un a postulé à une fonction. Avez-vous entendu? Oh putain, il s'est soudoyé encore là. Bah, ça ne fait aucune différence pour moi, quelle que soit l'issue. Où se cache l'ennemi? Ouh, il s'est pris un vent là, j'ai l'impression quand même. Et maintenant? J'espère que je vais pas m'en prendre un parce que je suis le fier. Mais... Je suis armé. Mais. Eh bien, soit. Eh merde, ça commence. J'ai pas de chance, hein. Bon. Audience, c'est merdeux. En plus, je vais pouvoir voter, là, comme j'ai une place au conseil, normalement. J'ai la classe. Mesdames et messieurs, notables de notre ville. Ouais. Bon, bref. Ah bah, c'est déjà... C'est pour ma place, ça, c'est... Ah non, c'est pas pour... Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez c'est toujours pour la place être de l'autre utile au conseil? Bon. Car sinon, allez, je moi. Ferai en sorte que vous périssiez tous dans les flammes de l'enfer. Elle a une sale gueule en plus, hein. Faut vraiment la virer. Vous avez finalement réussi à venir à bout de ma patience. Oh, il passe pour moi. J'arrive. Oh, elle aurait pas oh, dû faire non. ça. Oh, lui, il a peur, mais on s'en fout. Il est pas pour moi. Là, non plus. Je suis convaincue. Non, d'accord. non, tu passes pas pour elle. Je vais vous accorder un moment de réflexion. Passe pas pour elle, donc c'est bon. On la charme et puis... Eh bien, soit. L'occasion m'est rarement offerte d'avoir des conversations... Là, je te soudoie parce que t'es sympa. Et je te complimente. Je vous en rem... Gentil damoiseau, vous êtes charmant. Je pense qu'avec merci. Ça, on est pas mal. Hein. Je pense que je suis pas mal, là, franchement. Là, il y a les deux connards. Entre connards, ils sont pas mal. Et puis lui, Gustave Piqué, c'est un mec sympa, mais... voilà, quoi... Piqué, quoi, j'ai envie de te dire. Mais Gustave aussi. Passons au vote. Allez, pour moi, pour moi. Ouais. Et de 1. Et de pas de 2. Et de 2, voilà. Merci la mère. Je détiens les résultats de l'élection. Et ouais. Nous avons un nouveau conseiller. Et ouais. Félicitations. Eh ben merci. Merci pour cette élection. Eh ben merci. Comme ça, ceux qui... La suite de l'ordre du jour concerne qui... le débat sur la charge suivante. Voilà, ceux qui voulaient ma charge, bah, ils sont baisés, comme ça. Le moi, poste je suis déjà... de maître de guilde. Moi, je suis déjà au-dessus, comme ça. Allons-y. J'ai hâte d'entendre les arguments contre moi. Non, mais de toute façon, toi, t'as plus rien à perdre. Et alors, c'est Guy qui se présente. Voilà, moi, je me présente plus. Je suis déjà plus là. Est-ce que je peux voter? Non. De toute façon... Mais non, je menace. Je me suis toujours montré utile. Bah ouais, voilà.
pour faire le con, de toute façon, j'ai gagné ma place. Dommage que je puisse pas voter, parce que j'aimerais bien qu'on me sondoie, qu'on me file un peu de thunes. Là. Ça pourrait rentabiliser ce que je perds en soudoyant, moi. Merci pour cette élection. Ah, je vais peut-être pouvoir voter. Est-ce que je peux voter? Est-ce que je peux voter? Non. Non. Prenez un putain, je veux voter! En plus, l'autre, elle a dégagé du conseil, elle a plus à... à pouvoir... elle doit plus pouvoir voter. Oh, j'ai 400 d'XP, c'est parfait, ça. Papa. C'est parfait, je suis à 635. Hop. Et hop. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, c'est lui qu'on va virer. Ouais, mais franchement, c'est ça le jeu, quoi. C'est... faut virer ceux qu'on l'aime pas. Pas que de non-agression avec moi. C'est la merde. J'accepte. Je voudrais me présenter à une charge. Merci d'en prendre note pour la prochaine réunion du conseil. La mère, elle aime bien la mère. Hein? Le conseil municipal. Je l'ai dans la poche, la mère du village. Oh, je suis refait. Du siège. Oh, la gueule qu'il a. Salut, je fais des gestes bizarres avec mes mains, tu le reprends. Je suis pas très bien en ce moment. Alors, votre demande. Normalement, c'est bon, je suis plus en. Je suis en pack de non-agression. Oh, le bourreau. Le bourreau, Claude Gesselin. Bref, toi. Hein? Qu'y a-t-il? Et toi, tu t'entraînes. La victoire est à nous. Bref, astuce. Dans votre arbre généalogique, vous pouvez retirer des membres de votre groupe et en ajouter de nouveaux. Il est où, cet arbre de merde? Je suis plus ajouter une amie. Je peux pas encore, faut que je fasse entendre qu'elle est 16 ans. Très bien. Je suis plus une gamine, t'as dit. Bah Lulu, ma Lulu. Sans déconner, Lulu. Bon, votre petite ellipse, hein, vu qu'il n'y a pas grand chose en ce moment. Donc à tout de suite. Alors, donc comme je suis niveau 3, et ben, j'améliore mon bâtiment. Donc il va se transformer en camp de voleurs et non plus en nid de voleurs. Et donc après, niveau 5, j'aurai accès au camp de grand banlit. Donc normalement, comme il va être amélioré, je pourrais donc avoir accès à une personne en plus qui va bosser pour moi, plus de trucs de stockage, mais j'ai l'impression que je m'en fous un peu. Il préférera pour vos voleurs de passer la nuit sous une tente à la balette tout à l'heure avec un million du dernier raid. Ouais, il faudrait peut-être faire des raids et compagnie, ça serait pas mal. Peut-être ça rapporte plus que les protections forcées, c'est vrai que j'ai jamais testé. Et ça serait pas mal quoi. Protection contre la rapine, plus 25%. Protection contre le feu, plus 20%. La contenance de vos espaces, blablabla, ça coûte combien? Mince, pas ça. Ça, on peut pas savoir pour le moment. Parce que ça m'a coûté quand même du blé, quoi. Heureusement, j'ai récupéré de l'argent. Des protections juste avant. Puis ils sont en train de refaire les mêmes protections. Pas toi? Ils ont pas accepté, les salauds? Attends, ça me dégoûte. Très bien. Allez. Vous recevez de l'argent voilà. En échange d'une protection. Voilà, faut forcer un peu la main des fois. Bref, toi tu dors, toi tu... comme d'habitude, tu t'entraînes. Et puis ma fille coûte 500 les frais de scolarité à la con. Alors... c'est pas très gentil. On va l'envoyer à l'école, comme ça, ça va lui faire de l'XP en plus. C'est pas très gentil, Kiki, mais tu fais chier quand même. Donc voilà, tu vas à l'école et tu fais pas chier. Ça, ça lui fait max XP, c'est pas des conneries. Toi. Qu'y a-t-il? Tu peux dormir. La victoire est à nous! Et toi. Tu es un jeu d'enfant. Bref. Bah, j'ai pas grand chose de nouveau à vous montrer, donc petite ellipse. Et ref, donc c'est bon, t'es fini. Donc, on va améliorer ça. Plus 300, j'embauche. Si j'ai assez de sous. Impossible de trouver des employés pour votre bâtiment. Tant pis. Sérieux, je peux pas? Y'a personne qui veut. Non? Oh les salauds! Eh bah, on va. Ouais, j'ai pas trop de thunes, je préfère garder mes sous pour le moment. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir augmenté mon bâtiment, level 2. Rendez-vous à la mairie tout de suite là? Où se cache l'ennemi? Attends. Agenda 9h.
Un accord vient d'être convenu, entraînant l'application de nouveaux droits sous cette charte. J'ai mon procès à 9h et à 17h, j'ai le conseil. Hein ? Bon. Je pense que c'est déjà pas mal. Bref. Je veux juste je voulais revoir mon agenda. Ouais. Ok. Et il y a un autre truc que je voulais voir. Non. Voilà. Qu'est-ce que ça a donné Elle est en prison, c'est génial. Dans le cachot, elle est dans le cachot. Moi je vais essayer que l'autre elle se fasse. Elle se fasse trucider la gueule. La peine de mort, on m'a demandé ça. Un petit coup de guillotine dans les dents. Ce bon vieux bourreau. Bon bref, une petite ellipse. A tout de suite. Et donc on va terminer par la séance du tribunal cet épisode. On va voir ce que ça fait. Il y a une petite fille qui est là, ça me perturbe. Elle est level 4, on peut se voir, c'est n'importe quoi. Comme quoi les enfants sont cheatés. Et donc ça va commencer. Mais en vitesse normale. Et il y a le bourreau qui est là, tu vois. Il est là, Claude Gessler. Il rigole pas. Ça... Oh putain, level 5. Level 8, oh la gueule. Alors, l'accusé... Silence dans la salle. C'est eux qui votent. Bien, pour ce qui me concerne, toutes les parties intéressées sont présentes. Et ouais. Les principaux intéressés du procès de ce jour sont devant moi. Procureur, vous pouvez commencer. C'est une connasse. Regardez, elle est moche en plus. Enfin. Écoutez bien, car j'ai beaucoup de choses à vous dire. N'en fais pas trop. J'accuse la prévenue d'avoir commis plusieurs crimes. C'est exact. Pas beaucoup, mais tout de même. Voici les faits. Plusieurs, pas beaucoup. Bon, accusez-vous d'être une infâme brute. Quel dommage qu'il ait fallu utiliser vos méthodes pour le découvrir. Compris, c'est les pans en printemps 1412. J'ai attention. Quoi ? C'est un crime effroyable ! Ouais, c'est dégueulasse. Comme vous êtes à l'origine de ces accusations, révérend, le tribunal examinera minutieusement les charges dans cachot, le respect de vos privilèges. Elle aurait pu avoir la mort. Vous savez tous pertinemment que les fauteurs de troubles seront expulsés de ce tribunal. Vous êtes prévenus. La défense est priée de choisir avec précaution. Et remonte là. Quelle peine demande la partie plaignante ? La mort. Y a pas plus de choix à être exécuté. Qu'elle aille au diable. Brûlez la vivante. Allez. La défense peut prendre la parole. Ça me dégoûte, moi je veux la mort. Avez-vous quelque chose à dire ? Qu'elle aille au diable. Eh bien, votre honneur, je suis peut-être responsable, mais je n'ai pas fait de gaieté de cœur, mais par obligation. J'ai au moins 3 enfants à nourrir, vous savez. Sans déconner. Par pitié, ne me faites aucun mal. Bah, tu te prostitues, je sais pas, mais... Prenez un peu de temps pour y réfléchir. Un peu de temps, on peut insister, là. Je ne parle pas à n'importe qui. Balance du poison. Oh putain, merde. Quelle générosité. Attends-toi. Je peux te doyer ? Un jeu d'enfant. Serait-ce une plaisanterie ? Ah ouais, c'est pas assez. La victoire est à vous nous ! Vous m'insultez, pauvre imbécile ! Ça se trouve à rien à voir, vu que j'ai failli tous mes trucs, c'est génial. Ah ouais, ça fait chier. Au moins, elle est coupable, ça c'est bien. Alors, vous avouez ? La cour doit maintenant déterminer si la requête de la partie plaignante est juste et dommage, j'aurais plus de thunes, ça serait passé, je pense. Excessif ! Excessif. 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 L'accusé a avoué sa culpabilité. What? Cependant, la cour estime que la peine requise par la partie plaignante est excessive. Ouais, c'est vrai, la mort c'est excessif. La cour a donc décidé d'appliquer une peine plus adaptée que celle requise par la partie plaignante. Vous êtes condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement. Vous pouvez l'emmener. Ah, quand même! La sentence prend effet immédiatement. Ah,
quand même 4 ans d'emprunt. Oh la gueule, 500 d'XP, j'ai... Oh, je savais même pas qu'on pouvait gagner autant d'XP pour ça. Je déclare l'audience levée. Non, attends, tu te fous de ma gueule, il casse non, tout. Non, ce n'est pas possible. Ça pas passé, ça s'est pas passé. 4 ans de prison. J'en demandais pas autant, je pensais qu'il allait foutre une petite amende. Bah non, tiens, bouffe, 4 ans de prison. Putain, je suis refait, quoi. Ne mangez pas trop de toast au fromage, ça fait grossir. C'est un peu les astuces des Sims à la con, ça. Attendez, je vais juste... Alors, on augmente vite fait, et puis on va se quitter, là. Les armes martiaux. Waza ! Niveau 5 en plus. Waza ! Waza ! Et un petit peu de rhétorique. Parce que, voilà. Faut pas déconner. J'ai pas de gagné de... Non. Tant pis. Et ben voilà, ce troisième épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Tu rentres chez toi. Et donc on se donne rendez-vous prochainement pour le quatrième épisode. Portez-vous bien et salut tout le monde.